C'est parti. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce Facebook Live spécial Augusta. Demain démarrera le 84e Masters. Et avec nous, pour parler de ce tournoi, nous avons Romain Lefebvre, le directeur des rubriques tennis et golf à l'équipe. Bonsoir Romain. Bonsoir, bonsoir à tous. Nous avons également un habitué de cet endroit, Guillaume Biogeau, le directeur pro au golf du Vaudreuil. Bonsoir Guillaume. Bonsoir à toutes et à tous. Dans quelques instants, nous serons rejoints par Stéphane Rouen, greenkeeper notamment sur le golf de Dinard et gérant de GK Consult. Et nous avons l'immense joie et l'honneur d'avoir avec nous en direct de Dubaï, Nicolas Colsart, joueur du Tour européen. Bonsoir Nicolas. Bonsoir, bonjour tout le monde. Tout va bien? Ouais, tout va bien. Vous êtes, il est 21h là-bas et là-bas, la vie est quasiment normale, pas de confinement, vous étiez au resto, vous pouvez sortir avec, dans la rue avec un masque, c'est ça Nicolas? Alors oui, la vie est assez normale on va dire, donc on demande quand même un test PCR quand on prend l'avion pour en destination de Dubaï, on s'est fait retester à l'aéroport aussi d'ailleurs, et voilà, on était à Chypre avec la majorité des joueurs français la semaine passée, et voyant la situation évidemment en France ou ailleurs en Europe, Dubaï était une des possibilités qu'on avait de pouvoir quand même continuer à s'entraîner et d'éviter, on va dire, voilà, la période dans laquelle on se trouve. Nicolas, je redis merci d'être avec nous. On a justement essayé d'avoir un Romain Langas qui lui aussi a joué le Masters. Malheureusement, il ne pouvait pas être disponible à cette heure-là. On aura Grégory Avray, autre Français, qui l'a joué. Vous, Nicolas, vous avez joué le Masters en 2013. J'imagine que c'est quand une fois qu'on a été là-bas, qu'on a joué là-bas, c'est toujours un petit pincement au cœur quand un Masters va débuter, qu'on est joueur et qu'on n'y est pas. Je pense que c'est même pas le fait d'avoir joué. Voilà, moi depuis que je suis gamin, je regardais ça sur la BBC à l'époque parce que c'était la seule chaîne qui retransmettait ça dans les années 90. Donc, il y avait ce fameux jingle de la BBC avec Peter Hayes au commentaire. Voilà, ça fait partie de ces tournois comme le British Open qui ont une saveur particulière. Et puis bon, c'est vrai que le fait d'avoir eu la chance d'aller jouer le tournoi en 2013, on se rend compte en fait à quel point ça vous prend. Et voilà, l'endroit, l'histoire, la tradition, voilà, c'est vraiment un événement spécial et presque même plus particulier que les autres majeurs. Justement, c'est votre majeur préféré ou en tant qu'Européen, c'est le British Open? C'est une question qui revient assez souvent. Voilà, on va dire que le British, c'est quand même le majeur ultime de par l'histoire. Voilà, c'est le plus vieux, c'est le seul sur le continent européen. Et puis, c'est le seul qui joue sur les links, donc qui est quand même un peu, le berceau du golf tout court. Donc, voilà. Mais le Masters, c'est spécial parce que c'est le seul qui joue au même endroit. On a tous grandi avec les images d'Augusta depuis qu'on est gamin. Donc voilà, on peut s'identifier quand on a la chance d'y aller pour la première fois, on a la chance de s'identifier à tous ces coups qu'on a vus à la télé depuis qu'on est tout gamin, à la Amon Corner, les quelques derniers trous, c'est évidemment voilà, c'est spécial pour ces raisons-là. Il vous en reste quoi de ce tournoi en 2013? Quelles impressions, quelles images, qu'est-ce qui vous reste 7 ans après? C'est comme si en fait on avait encore énormément de photos dans le cerveau. Le truc qui est à faire, c'est d'aller jouer Augusta un peu en repérage avant que le tournoi commence, donc c'est-à-dire sans spectateurs. Bon, évidemment, cette édition-ci est un petit peu différente, mais je peux vous assurer que la différence en fait de voir cet endroit quand il n'y a pas de spectateurs et quand il y a des spectateurs, surtout les jours d'entraînement, est stupéfiante parce que je ne sais pas exactement si c'est pas 3 ou 4 fois plus de spectateurs sur les tours d'entraînement. Et on se rend vraiment compte, en fait, à ce moment-là, que les trous voyagent entre ces lignes de spectateurs qui bordent les fairways. Et quand on voit ce parcours sans spectateurs, c'est tout à fait différent. Le retour, pas trop, mais l'aller est fort, surtout quand on traverse le clubhouse et qu'on arrive sur le putting green et sur le départ du 1 pour la première fois. Il y a cette espèce d'énorme étendue devant vous
qui fait green du 9, bon, départ du 1, green du 9, green du 2 tout en bas, qui est à 400 mètres, qui était en fait l'ancien endroit où les membres s'échauffaient avant de partir vers le départ du 1. Je vais donner la parole à Romain. Normalement, ce n'est pas les journalistes qui font l'histoire, mais Romain Lefebvre, vous deviez y aller, suivre ce Masters particulier, puisque Nico vient de le faire remarquer. Pas de spectateurs, ça donne envie quand on est journaliste d'aller là-bas. Malheureusement, vous n'avez pas pu. C'est pas faute d'avoir essayé. C'est vrai que cette année, avec la crise du Covid-19, il était impossible d'y aller sans observer une quatorzaine, c'est-à-dire rester 2 semaines dans une chambre d'hôtel à Augusta avant de pouvoir pénétrer dans le Saint des Saints. Donc c'était quasiment, enfin c'était injouable. Je pense qu'il y aura très peu de représentants des médias européens. Il faut savoir que les seules exemptions qui étaient accordées à des journalistes dans la période qu'on vit en ce moment étaient accordées à ceux qui couvraient les élections américaines, qui étaient donc dispensés de cette quatorzaine pour couvrir le Masters d'Augusta, tout grand événement qu'il est. Cette exemption n'était pas valable, hélas. Nicolas, une fois qu'on a joué le Masters, on a le droit d'y retourner? On a des tickets? On peut acheter des tickets ou non? Ou alors c'est comme on est comme les autres et c'est il n'y a plus jamais d'invitation, évidemment pas pour jouer, mais pour être spectateur. Comment ça se passe? Pourquoi t'as besoin de tickets ou quoi, c'est ça? Non, 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 vous, moi je suis journaliste, je veux y Non, aller. non, 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 je mais pour vous, je me demande, rigole. est-ce que vous y êtes retourné? Est-ce que vous avez envie d'y retourner? Est-ce que vous avez la possibilité d'y retourner? Alors, envie d'y retourner, ça c'est certain. Non, Mais mais pas forcément comme non, joueur, évidemment, je m'en doute, mais comme ouais. spectateur, est-ce que vous pouvez? On y reviendra comme joueur, hein, mais... Ça coupe, Nicolas. Messieurs, vous entendez Nicolas, vous? Pas du tout. Alors, je vais me Pas du tourner tout. vers Guillaume, le temps qu'on retrouve la liaison avec Nicolas. Guillaume, vous y avez déjà été, vous, à Augusta? Oui, plusieurs fois, j'ai eu cette chance. Combien de Quatre fois et fois. quand? Qu'est-ce qui. Vous avez vu Quatre des. Vous fois. avez vu des. Deux fois, 2 jours, en 2003 et en 2000, juste avant la spi, 2014. D'accord. Et vous avez vu des dimanches là-bas? Vous avez vu des victoires ou vous êtes Non. resté jusqu'au bout? Mercredi, jeudi à chaque fois. D'accord. Vous pouviez pas rester jusqu'au dimanche? Vous n'aviez pas les tickets Non. ou... Non, j'avais pas. Vous parlez beaucoup de tickets, Arnaud. Je pense que vous avez un problème de tickets. On va vous aider, on vous Mais prête. non, Non, mais non. parce que c'est quand même le ticket le plus dur à avoir et le plus cher au monde, Bien le ticket, sûr. Augustin. Donc voilà, Bien sûr. Et pour la petite anecdote au niveau des tickets, la première fois. Je les ai achetés à l'extérieur. On sait qu'on peut acheter à l'extérieur les tickets. Et la deuxième fois, je les ai achetés sur un site de vente en ligne qui s'appelle d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je ne sais pas si je peux le dire, Arnaud ou pas, mais Vivid Sport. Et j'avais acheté les tickets sur Vivid Sport la deuxième fois, quelques jours avant d'y aller à chaque fois parce que j'étais aux États-Unis, à un tarif effectivement qui n'est pas forcément extrêmement intéressant. Mais en tout cas, les deux fois, j'ai réussi à avoir des tickets. Et on peut avoir des tickets pour ceux qui veulent vraiment y aller. Bon, on n'a toujours pas récupéré Nicolas Colsart. Alors, on va se tourner, Guillaume, vers la seule personne parmi nous qui a eu la chance de jouer ce parcours. C'est Romain Lefebvre. Romain, racontez-nous. Non, racontez-nous pas forcément votre parcours, alors que Nico est arrivé. Mais de toute façon, je voulais vous poser la question. Vous avez été tiré au sort un lendemain de tournoi, c'est ça? Les journalistes peuvent jouer le lundi et vous avez été tiré il y a 2-3 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. J'étais tiré l'année où Patrick Reed a gagné. Et en fait, il y a un tirage au sort qui n'aura pas lieu cette année. Ça fait partie des traditions qui ont été supprimées en raison de la pandémie. Donc, il n'y a pas eu le concours de par 3 aujourd'hui, mercredi, le traditionnel concours sur le petit parcours de par 3 en famille avec les meilleurs joueurs et leurs proches. Donc, ça, c'est un gros manque aussi dans ce tournoi qui est chargé, bourré de traditions. Et donc une des traditions, mais qui est beaucoup moins populaire, évidemment, puisqu'elle concerne une petite niche, elle concerne quelques journalistes qui sont tirés au sort parmi, je pense, je crois qu'il n'y a pas loin de 800 personnes accréditées, tous médias confondus. Et donc j'ai eu la chance d'être parmi la petite cinquantaine, je ne sais plus combien exactement, qui ont été tirés au sort pour disputer une compétition le lundi matin, en partant non pas des...
des player steals, ou en tout cas partant des member steals, donc c'est déjà plus abordable pour un amateur. Et voilà, donc j'avais fait ça sous un léger crachin. Ce qui est très intéressant là-dedans, au-delà du souvenir personnel, c'est qu'on est mis dans les mêmes conditions, entre guillemets, hein, que les champions qu'on a vus s'exprimer pendant tout le week-end et pendant toute la semaine. C'est-à-dire qu'on a un caddie qui nous est proposé et qui nous est même imposé, on va dire, puisque on ne joue pas sans caddie là-bas, qui revêt la combinaison blanche et qui se met à notre service pendant ces 18 tours. Donc c'est la première et sans doute la dernière fois que j'ai pu jouer avec un caddie. Un caddie qui était du club, évidemment, qui suit régulièrement les members. Et voilà, c'était un petit attrait supplémentaire au fait de jouer un parcours mythique et une chance unique. Voilà. Donc il a fallu simplement repousser le billet d'avion qui était prévu pour le lundi soir. Mais ça ne se refuse pas de pouvoir jouer le parcours d'Augusta. Jamais. Non, ça c'est sûr. Guillaume, on va vous quitter quelques instants parce que vous allez laisser la place à Stéphane Rouen, le greenkeeper, parce qu'on va enfin commencer à parler de ce Masters 2020 et on va le faire avec un spécialiste du greenkeeping parce que, évidemment, la première, on a dit qu'il n'y avait pas de public, on y reviendra, mais la première différence pour ce Masters, c'est à cause de la pandémie, il ne se joue pas évidemment en avril, début avril comme d'habitude, il se joue en novembre et forcément ça a des conséquences sur le parcours. Avant que Stéphane nous rejoigne, Nicolas, qu'est-ce qui vous reste vous de ce parcours? On a parlé de l'endroit, mais le parcours, vous l'avez trouvé plus facile, plus dur que prévu? C'est vraiment les greens qui vous ont marqué? Qu'est-ce qui, au point de vue parcours, qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce qui vous avez frappé cette année-là, en 2013? Alors moi, ce qui m'a particulièrement frappé, c'est la difficulté de quelques coups. Voilà, je vais pas vous faire les 18 trous, mais par exemple le green du 1, peu importe où est le drapeau, on tape dans 5 mètres carrés, on tape le deuxième coup dans 5 mètres carrés. Le 3, le drapeau à gauche, le green fait 7 mètres de long pour un coup de wedge, donc c'est assez compliqué. Le green du 5 est complètement débile, il y a des pentes dans tous les sens. Si tu fais pas gaffe, c'est 3 putts tout de suite. Le drapeau en haut à droite au 6, c'est une espèce de plateau qui fait, on va dire, 6 mètres carrés pour taper un coup de fer 7 ou un coup de fer 8. Attention Nicolas, il y a Romain qui vous écoute, hein. Il valide ou pas? Ouais, Allez-y, non, continuez, mais pardon. ouais, je pense qu'il a dû se rendre compte, hein, que c'était pas une balade de santé. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a énormément de coups qu'on voit à la télé. On voit les mecs qui sont qui jouent pour la gagne et qui tapent des coups qui paraissent pas hallucinants à la télé. Et en fait, quand on les voit en vrai, on se rend compte que c'est super exigeant, quoi. Stéphane Rouen, vous nous avez rejoint. Je rappelle que vous êtes greenkeeper, gérant de GK Consult et consultant également chez nos consultants de Golf Plus, qu'on remercie au passage et qu'on salue au passage, qui nous ont permis, qui vous ont libéré pour cette émission. Donc, on le disait, Stéphane, la grosse différence, il n'y a pas de spectateurs, on y reviendra, mais la grosse différence pour vous, ce n'est pas un Masters au mois d'avril, c'est un Masters au mois de novembre. Du point de vue de l'entretien, de l'herbe, ça change quoi pour les greenkeepers? Et après, on viendra, ça changera quoi pour les joueurs? Ça change quoi, Stéphane? Quelle est la difficulté? Quelle est la différence? Alors, j'oserais dire que c'est un challenge très très intéressant parce que inédit pour eux, inédit en préparation, parce que pas inédit pour la saison. À Augusta, c'est fermé jusqu'à fin septembre. Ils rouvrent d'habitude mi-octobre pour leurs membres. Et donc, c'est tout le travail de regarnissage avec des variétés de saison froide est habituel pour eux. Ce qui est le moins habituel, c'est de devoir le préparer pour un tournoi de haut niveau. Nicolas, Tiger Woods a dit qu'il y avait deux différences d'herbe, que la balle était sortirait davantage du club. Vous êtes habitué à ça, les joueurs? Ça ne vous étonne pas? Vous le saviez? Vous en avez parlé entre vous? Que ça change au mois de novembre par rapport au mois d'avril? Vous étiez au courant de ce qu'a dit Tiger? Vous avez suivi ça un peu, ces différences de portée de balle et de coups à taper ou de la façon dont la balle sortait du club? Alors, c'est surtout une histoire de température. Et voilà, je pense que
on va pouvoir baquer ce que je dis. Voilà, il risque d'y avoir plus de rosée le matin, même s'il y a quand même énormément de boulot qui est fait sur le parcours, évidemment. Voilà, en général, quand les conditions sont un petit peu plus humides, la balle spinne un petit peu plus en l'air. Évidemment, à Augusta, ils ont le Seber, donc ils peuvent contrôler la fermeté des greens. On va peut-être pas nécessairement voir une réaction de balle sur les greens fort différente. Voilà, il est certain que le climat au mois d'avril nécessairement pas le même qu'au mois de novembre. Donc voilà, c'est clair que le parcours va jouer sans doute différemment, mais voilà, je pense que tout sera mis en place pour essayer de rapprocher le plus possible les conditions de jeu, hormis évidemment des conditions météo qui vont être un petit peu dures à gérer, si pas ingérables vraiment, quoi. Romain, évidemment, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Hein. Je ne suis pas le seul à mener cette émission. Stéphane, tout le Non, monde moi ici a j'avais une été à question, Augusta. excuse-moi. Allez-y, Romain. Oui, j'avais une question concernant effectivement les conditions de jeu. Je n'ai pas tout entendu parce qu'il y a des petits problèmes de connexion me concernant, mais on parle donc effectivement de ces deux types d'herbes. Moi, ce que je voulais savoir, c'est que est-ce que la balle va être davantage portée qu'en avril ou moins? Parce que j'arrive pas trop à comprendre. Moi, j'imagine que la météo va jouer, ce qui va faire moins chaud qu'en avril, donc forcément la balle va moins voler. Mais comment ça se passe au niveau sur l'herbe, quelle que soit la météo d'ailleurs, pluie ou pas? Alors, le gazon donc sera le même qu'au mois d'avril, sauf qu'il a 6 mois de moins, puisqu'en fin de compte, il arrive à maturation au mois d'avril d'habitude, ce régras, qui a pris le dessus sur le Bermuda. Donc le Bermuda ayant été scalpé au moment de sa dormance pour faire une sorte de support de culture, chose que l'on aurait pu imaginer il y a 15 jours avec les climats qui descendent la nuit entre 7 et 10 degrés et en journée 22-23 degrés, sont pour cette semaine extraordinaires puisque on va pas descendre en dessous de 20 degrés la nuit. Ils ont des risques de pluie et d'orage assez importantes, des températures complètement différentes des normales saisonnières. La semaine prochaine, par exemple, il fera 9 degrés la nuit. Donc, quelque part, ils ont de la chance, ou je ne sais pas, parce que les agronomes que nous sommes, ou que nous tentons d'être, ont anticipé certainement une fertilisation par rapport à ça. Et on peut imaginer que peut-être qu'il va y avoir des à-coups de pouce, donc des tontes supplémentaires, peut-être le soir, ou enfin voilà, ils vont avoir difficile à gérer le port de la balle. Alors, je ne parle pas des greens, hein, comme l'a dit Nicolas. Il y a le Seber System, les greens, il n'y aura franchement aucune différence. Je pense que c'est sur tout le petit jeu que la façon de prendre la balle sera complètement différente parce que le spin ne sera pas le même, parce que l'accroche ne sera pas le même. Des coups qui auraient pu bumper avant le green ne bumperont pas parce que le gazon sera plus mou. Donc ils vont jouer sur les hauteurs. La température là risque peut-être de les handicaper parce que ça pousse. Peut-être qu'il y a même des restes de chiens-dents qui ne seront pas sortis complètement, enfin qui seront encore pas sorti complètement de leur cycle, et donc je suis très 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 pressé de voir ça. Nicolas, on a traduit une interview de Webb Simpson qui va disputer le Masters sur le site de l'équipe.fr. Et il disait qu'en avril, il y avait des lies qui étaient propices pour donner de l'effet et d'autres non. Et que cette semaine, ce serait plus neutre et que ce serait plus dur de donner du spin avec le gazon Bermuda. Vous confirmez, c'est quelque chose, encore une fois, auquel les joueurs sont habitués ou ils doivent se préparer pendant la semaine? N'importe quel tournoi où on arrive, que ce soit le Masters ou autre, d'une année à l'autre, le même parcours peut tout à fait jouer différemment. Et c'est à mon avis ce qu'essaye d'expliquer Webb Simpson ici dans son commentaire. Maintenant, sans moi avoir ou avoir eu la possibilité de tester ce gazon, je peux difficilement analyser ce qu'essaye de dire Webb Simpson. Le seul détail que je vais apporter à la discussion, c'est que vous devez savoir qu'à Augusta, ils ont l'habitude en fait de tondre l'herbe dans la direction inverse
des greens. Donc, c'est-à-dire que vous avez une herbe qui, au lieu, vous jouez souvent et vous chippez vers un green, souvent un contre-grain. Donc, ce qui veut dire que la balle spin en général un petit peu moins, ça demande un petit peu plus de précision au niveau de votre chipping. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est en général quand vous voyez les joueurs qui tapent au-dessus du green du 15, ils ont un chip pardon, en montée, avec un banking devant eux en montée, avec un green derrière qui descend super fort. Donc, souvent, en fait, on voit des mecs qui chipent de l'arrière du green et qui restent très courts parce qu'on ne peut pas évidemment prendre le risque de faire amener une balle ou de faire arriver une balle sur le green avec trop de vitesse, évidemment, elle termine dans l'eau. Donc voilà, ça c'est un truc qu'en général les gens ne savent pas à propos de l'Augusta, c'est que l'herbe tout autour des greens est à contre-grain, ce qui n'est pas l'habitude en général de la majorité des autres parcours qu'on peut jouer. Pour terminer sur l'herbe avec vous, Stéphane Rouen, je disais, tout le monde ici a eu la chance d'aller à Augusta. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'y aller dans votre carrière? On Alors, sait que les greenkeepers cèdent parfois. Est-ce que vous y avez déjà malheureusement, été? alors malheureusement non, je suis allé en Géorgie à cette période sur des golfs à côté. Malheureusement, la porte est fermée. Autant cette année, j'ai pu aller rencontrer des collègues au Doral ou sur des grands golfs, autant Augusta, c'est compliqué. Je désespère pas, j'ai encore du temps pour toucher le Graal et aller voir de mes yeux vus, comme on dit, ce monde différent. On sait que la vitesse des greens est très importante à Augusta, forcément, en novembre. On le sait, on le disait, un peu plus humide, peut-être un peu plus d'herbe. Les joueurs s'attendent à des greens plus lents. Est-ce que les greenkeepers vont avoir les moyens de rendre, ou le comité du tournoi, de rendre ces greens aussi rapides que d'habitude, malgré la pluie, Alors, ou malgré le temps frisquet ou un peu plus frisquet de novembre, Stéphane? du coup, le temps frisquet sera pas là, hein, ça sera tout à fait normal pour eux. Et le système Sauber, qui est un système d'aspiration et de ventilation, permet à la fois de gérer le taux d'humidité et quelque part aussi la température. Et c'est eux qui vont décider en fonction des scores s'ils durcissent ou pas les greens, s'ils les rendent un peu plus rapides. J'oserais dire qu'ils ne veulent pas qu'on viole trop leur parcours et qu'en fonction de ce qui va se passer, ils vont ajuster. Déjà, d'après ce que j'ai pu lire sur les réseaux professionnels, il y a déjà eu des gros, gros changements sur les 3 premiers jours. Merci Stéphane Rouen d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes greenkeeper et gérant de la société GK Consult, pardon. Merci beaucoup Stéphane et à très bientôt. Et on Plaisir, à vous suivra bientôt. évidemment sur Golf Plus. Merci Stéphane. En attendant que Guillaume Biogeau nous rejoigne sur les greens, Nicolas, on a fait une interview de Bernard Langer. La première fois qu'il a été Augusta, il a pris 11 fois 3 putts. C'est vraiment un autre monde, les greens d'Augusta, Nicolas. Alors, je vais peut-être un peu casser un mythe, mais la raison pour laquelle le putting est compliqué à Augusta, c'est pas nécessairement parce que les greens sont ultra rapides, c'est juste la façon dont les greens sont dessinés avec des pentes qui sont beaucoup plus escarpées. Enfin, il y a juste beaucoup plus de pentes que les greens qu'on joue d'habitude. Si vous prenez un green plat ou si vous allez sur le putting green à Augusta, vous n'allez pas être subjugué par la vitesse des greens. Si vous allez par exemple à Royal Melbourne, les greens sont beaucoup plus rapides. En général, les joueurs du PGA Tour sont habitués à putter sur des greens qui sont à 12, 13, 13,5 sur le stimp. Donc, ce n'est pas une question de vitesse, c'est juste une question de connaître les greens, de savoir lire les pentes, parce que vu qu'en fait le domaine d'Augusta est assez vallonné à la base, ça rend la lecture de pentes sur certains greens assez compliquée. Voilà, un peu qui donne l'impression d'être plat, ne l'est forcément pas, parce que la majorité de l'endroit sur lequel vous trouvez sur le parcours est assez vallonné. Donc c'est ça qui rend le truc assez compliqué. Et puis il y a aussi ce fameux mythe de tous les putts qui break vers Rae's Creek, qui est un fameux point rouge qui est à l'arrière du green du 11. Donc quand vous allez dans le shack de greenkeeper qui est juste à côté du practice, il y a un énorme tableau avec tout le dessin des greens. Et sur tous les dessins des greens, il y a ce fameux point rouge qui est censé être le point le plus bas du parcours, vers toutes les pentes sont quelque part un petit peu aimantées, on va dire.
On va rentrer dans le tournoi dans quelques instants. Guillaume Biogeau nous a rejoint. Nico, si vous le rejouiez actuellement, le parcours d'Augusta, vous joueriez différemment? Qu'est-ce que vous avez appris en y allant là-bas? Alors, je pense pas que je le jouerai d'une manière différente. Bon, j'espérerais du moins mieux le jouer que la seule fois où j'étais, parce que j'avais raté le cut alors que j'avais amplement le jeu pour passer le cut, donc c'était un peu une déception. La seule chose que je changerais, c'est la façon dont j'ai géré la semaine. Voilà. On est un petit peu, on va dire, le cul entre les deux chaises quand on y va pour une première fois, parce qu'on a envie de profiter un maximum de cette semaine, parce que c'est un rêve de gosse. Voilà, j'aurais peut-être essayé de, ou maintenant du moins, j'essaierai de gérer un petit peu ma semaine différemment, point de vue logistiquement. Voilà, j'ai fait venir des potes, mes parents étaient là, voilà, il y avait beaucoup de monde, donc c'était un petit peu pas mal de choses à gérer qui ne le seraient pas la prochaine fois que j'irai jouer. On va évoquer ce Masters, évidemment, tous les joueurs qui vont le disputer. Et pour une fois, on ne va pas commencer par le tenant du titre qui pourtant s'appelle Tiger Woods, parce qu'il y a quand même un nom que tout le monde a sur les lèvres depuis un mois ou deux dans le monde du golf, ou même depuis un peu plus longtemps, depuis la fin du confinement. C'est celui de Bryson DeChambeau, favori des bookmakers, et vraiment celui qui arrive avec une pancarte énorme dans le dos, ou en tout cas, on en parle plus que de Tiger Woods. C'est quand même assez incroyable. Nicolas, est-ce que vous avez vu les clubs que Bryson DeChambeau s'apprête à jouer pendant le Masters? Est-ce que vous avez vu passer cette liste de clubs qu'il annonce? Est-ce que vous avez vu ça? Je signale pour nos internautes que c'est disponible sur l'équipe.fr. Est-ce que vous avez vu, Nicolas, les clubs annoncés par Bryson DeChambeau? Partie d'entraînement avec Sandy Lyle, il y a quelques clubs qui moi m'ont pas nécessairement trop frappé, mais il y en a quelques autres qui sont complètement débiles. Par exemple, je pense qu'il a mis fer 8 au 2. Voilà, il faut savoir que là où lui porte la balle, il pitch en descente, donc il suffit qu'il prenne un power bounce, on va dire, pour mettre 40 mètres aux autres, s'il passe 50. Voilà, les joueurs Pas vous, les plus Nicolas? faibles On qui sait que se vous êtes un gros tapent. frappeur. Vous Ah, tombez pas puis là, moi j'étais Nicolas? vieux aussi, hein. Je suis plus c'est plus la grande distance de l'époque C'est non plus le plus, Belgian quoi. Bomber? Ouais, bon, si, quand même un petit peu, on va quand même pas cracher sur ce magnifique surnom qu'on m'a donné il y a quelques années, mais voilà, il a mis aussi, je sais pas s'il a mis Wedge au 15 ou des trucs comme ça, voilà, qui sont quand même assez débiles. Le truc que moi je trouve le plus hallucinant avec lui, c'est à quel point il garde la balle en jeu. C'est pas. Oui, c'est assez incroyable la distance à laquelle il tape, mais c'est surtout de garder une balle en jeu. Et s'il garde pas la balle en jeu, Augusta, il n'y a aucune chance qu'il puisse faire un tournoi correct, quoi. Il faut savoir quand même que le 18, c'est un couloir. Le 15, c'est quand même 25, on va dire 20 mètres de large. Taper un drive à 350 mètres sur 20 mètres de large, il faut quand même être relativement adroit, quoi. Donc voilà, je pense que la majorité des gens sont curieux de voir si ce game plan qui a fonctionné à l'US Open va fonctionner de la même façon à Augusta. Pour conforter ce que vous venez de dire, Nicolas, j'ai vu passer une stat. Il a tapé 554 drives à plus de 300 yards depuis le début de l'année. Bryson DeChambeau, 54% ont terminé à moins de 15 yards du centre du fairway. Plus d'un drive sur deux à moins de 15 yards, donc quasiment à 10 mètres du centre du fairway, un peu plus de 10 mètres. Et 13% de plus entre 15 et 20 yards du centre du fairway. Donc effectivement, Bryson DeChambeau, il tape très très fort, mais comme vous le dites, il tape très très droit. C'est d'ailleurs comme ça qu'il a gagné l'US Open. Il tape très fort, mais il s'écarte très peu. Guillaume Biogeau, vous confirmez, vous qui avez fait un Facebook Live sur Bryson? Ouais, je suis 100% d'accord avec Nicolas sur cette capacité qu'il a à l'envoyer loin, mais qu'il a à l'envoyer très droite. Donc c'est sûr que c'est hallucinant et que les clubs, effectivement, et que Sandy Lyle pour la partie de reco sont hallucinants. Mais ce qu'il faut aussi garder en tête, c'est que là, il y a deux Masters en 5 mois à 6 mois, dont celui-ci où le parcours va être long. Mais imaginez au mois d'avril s'il fait un peu sec, les clubs qui va jouer. Donc Bryson DeChambeau, oui, cette semaine, parce que tout le monde l'attend, parce qu'il la tape très fort, parce qu'il y a un 48 inch, parce que tout ce qu'il y a autour de lui.
Mais Bryson DeChambeau, pour moi, c'est les deux Masters qui arrivent, avec un Masters encore un peu plus sec un peu plus tard qui risque d'être hallucinant. Donc oui, on est tous impatients de voir ce qu'il va faire. Romain Lefebvre, vous l'avez interviewé, je crois qu'on va retrouver... Allez-y, Guillaume. Ouais, pour une chose, c'est que Bryson DeChambeau, effectivement, il attaque très fort, il attaque très droite, mais là où il est très très fort, Bryson DeChambeau, et je suis sûr que Nico sera tout à fait d'accord avec ça, c'est qu'il putte absolument magnifiquement bien. Et à Augusta, où les greens sont très bons, il a une force là aussi qui est très importante par rapport aux autres. Donc, d'une manière générale, c'est sûr que sur le papier, il risque d'être très fort cette semaine. Dernière petite chose, après bien évidemment, je vous laisse. Pour en revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, à ce qu'a dit Webb Simpson, et j'aurais adoré que Stéphane Rouen soit toujours dans la conversation pour me couper si je dis des bêtises, mais voilà, je suis associé avec quelqu'un, avec un autre coach qui est aujourd'hui à Augusta, que j'ai eu tout à l'heure, avec qui j'ai échangé tout à l'heure, qui me disait qu'effectivement, le fairway est beaucoup plus haut et beaucoup plus riche que les autres années, tout à fait en relation avec ce que disait Stéphane Rouen tout à l'heure, où il y a des pousses beaucoup plus importantes et ce qu'il n'imaginait pas, par rapport à un mois d'avril où l'herbe est beaucoup plus rase, où elle manque probablement, elle est moins riche qu'aujourd'hui. Donc, plus le lie est ras, moins il y a d'interférences entre la face de club et la balle, et plus on génère de spin. Donc, là, il y a un peu plus de matière, il y a un peu plus de matière qui va venir se mettre entre la face de club et la balle, qui effectivement, probablement, va retirer pas mal de spin, et principalement sur les coups autour du green, à mon avis, ça va être extrêmement intéressant. Romain, je le disais, vous avez eu la chance d'interviewer Bryson DeChambeau, on pourra lire ça demain dans l'équipe, et un peu plus tard, et en cours de la journée aussi, ou ce soir sur l'équipe.fr. Racontez-nous un peu ce qu'il vous a dit, ce qui vous a marqué avec BDC, comme on l'appelle. Ah, on a perdu Romain. Romain, on vous a perdu à nouveau. Romain, on ne t'entend pas. Rémi, on n'entend plus. Alors Nicolas, je me tourne vers vous puisqu'on n'entend plus Romain. Romain, ce n'est plus la peine de parler, on ne t'entend plus. Rémi, ouais, mais je vais rebondir. Je vais rebondir sur ce qu'a dit Guillaume. Voilà. Alors, s'il y a plus de matière, il est vrai que ça peut enlever un petit peu plus de spin à la balle, mais je pense qu'il va y avoir pas mal de coups alors où certains joueurs vont pouvoir gagner en hauteur de balle, et tout particulièrement quelqu'un comme Webb Simpson qui on va dire qui a un peu le profil d'un Graham McDowell qui sont on va dire plus des joueurs d'échecs qui sont, ou même quelqu'un comme Zach Johnson qui sont pas des types, voilà, qui sont quelque part l'inverse de Rory McIlroy qui s'est tapé un coup de fer 4 à 220 mètres et l'a fait arrêter sur 1 mètre. Je pense que ça peut être un avantage sur certains coups et peut-être un désavantage sur certains coups, sur des coups de wedge ou qui demandent un petit peu plus de spin. Mais bon, voilà, c'est difficile de répondre exactement à cette question. Il y a tellement de coups à jouer, il faut tellement avoir un panel en fait de coups riches pour sortir du lot sur du ball striking à Augusta. N'oublions pas que voilà, et puis Guillaume l'a dit, c'est même Jordan Spieth a même fait un commentaire la semaine passée dans un podcast aux États-Unis où il dit que n'oublions pas que ce Bryson DeChambeau putte comme un malade. Voilà, sans son putting, oui, il n'aurait pas gagné Wingfoot. Donc voilà, c'est bien de parler de la longueur de Bryson DeChambeau, mais il fourre des putts non-stop aussi. Romain, est-ce qu'on vous a retrouvé? Est-ce qu'on vous entend? Ah non. Toujours pas. Moi, j'ai une question pour Nicolas, Romain, pour me permettre, Arnaud. Ah ben, Guillaume, vous intervenez quand vous voulez, c'est votre antenne, vous êtes chez vous ici. Pour les gens qui vont regarder le Masters cette semaine, si tu avais un ou deux coups qui pour toi sont les plus spectaculaires ou peut-être les plus durs, un chip que tu n'as pas envie d'avoir, est-ce que tu peux nous faire entrer un peu dans la peau du joueur d'Augusta qui joue le Masters et sur certains coups dit « Waouh, celui-ci, il est extrêmement compliqué, on ne s'en rend pas compte, mais c'est du délire. » Qu'est-ce que tu peux nous dire s'il y a toi des trous ou des coups qui t'ont particulièrement marqué? Alors, je l'ai dit tout de suite, il y a le drapeau qui est au-dessus à droite, donc fond droite au 6, le par 3,
qui est super compliqué. Anecdote marrante, en fait, moi, quand j'étais aux États-Unis, j'étais membre au Bears Club. Le Bears Club, c'est le club de Jack Nicklaus. Et un jour, je suis au practice on me présente le fils de Jack Nicklaus. On me dit, tiens, Nicolas va jouer son premier Masters, est-ce que tu as un conseil pour lui? Et c'est le fils de Nicklaus qui l'a caddié dans l'édition de 86, quand Nicklaus a gagné son dernier Masters. Donc on lui demande, est-ce que tu as un conseil pour Nicolas? Il y a un blanc de 3 secondes, et il dit, bah, je demanderai à papa. Je dis, comment ça, je demanderai à papa? Mais il dit, tu veux que j'appelle mon père? J'ai dit, ok, ouais, pas de souci. Et donc, une heure après, Jack est arrivé. On a manger avec Michel, Vincent Bormans, mon agent, donc Michel, mon coach, Vincent Bormans, mon agent, et moi, avec Jack Nicklaus. Et il nous a fait tout le parcours. Et le souvenir que j'ai de cette discussion, c'est, je lui dis, le 6, quand le drapeau est au-dessus à droite, c'est quand même chaud. Et il me dit, bah, c'est juste un coup tout droit, c'est pas très compliqué. Donc, là où moi je pensais qu'il allait me dire un truc du genre, c'est vrai que bon, là c'est quand même, il n'y a pas beaucoup de place, il était directement passé à autre chose, tellement pour lui, voilà, ça lui paraissait tout C'est seul. basique. Ouais, Ouais. c'était basique, c'était C'est juste le plus grand joueur. tout droit vers la cible. Ouais. C'est le plus grand joueur de l'histoire. Est-ce qu'on a récupéré l'un des plus grands journalistes de l'histoire, Romain Lefebvre? Est-ce que on a retrouvé votre voix ou pas? Romain? Ah, c'est pas possible, Romain. Romain qui a interviewé Bryson DeChambeau. On meurt de savoir ce qu'il y a dans cette interview. Bon, il faudra acheter l'équipe demain ou aller sur l'équipe.fr. On essaiera une dernière fois. Sinon, tant pis, Romain, on se passera de votre savoir sur Bryson DeChambeau. Pour terminer, Nicolas et Guillaume, vous soulignez le putting de Bryson DeChambeau. Cette façon de putter, Nicolas, avec ce putter bloqué sur l'avant-bras, ça ne vous pose pas de problème? Ouais, moi je trouve ça un peu bof. Voilà, y a quelques joueurs qui ont adopté cette technique de armlock, comme on appelle. Voilà, moi j'étais un peu au début quand ils ont sorti cette règle du anchoring. Alors pourquoi permettre de bloquer ce putter contre l'avant-bras? Voilà, il y a Matt Kuchar qui utilise cette technique, Bryson DeChambeau. En Europe, il y a Eduardo Molinari. Voilà, moi je suis un petit peu, je vais pas dire contre, mais voilà, pourquoi est-ce que le bras est permis et pas le long putter ou le belly putter de l'époque? Est-ce que vous savez si l'USGA et le RNA réfléchissent à interdire cette prise? Est-ce que vous avez entendu parler de ça ou pas, Nicolas? Parce que Alors, c'est je pense pas que c'est à effectivement la un page du troisième. jour. Non, voilà, je pense que la prochaine grosse discussion, c'est est-ce qu'on essaye de limiter cette histoire de balle. Voilà, faut pas oublier que des joueurs comme Tiger Woods ou Jack Nicklaus avaient déjà émis ce problème dans lequel on se trouve maintenant, où les types tapent à des distances complètement hallucinantes. Donc voilà, c'est quelque chose qui risque d'être assez compliqué à régir pour multiples raisons, évidemment. Mais moi, je pense que c'est évidemment quelque chose qui risque d'être sur la table d'ici quelques années. Vous pensez qu'il y a un problème et vous pensez qu'il faut changer, enfin qu'il faut faire quelque chose, Nicolas? Alors, un problème, quand on voit certains parcours qui sont joués sur le PGA Tour ou même maintenant sur le circuit européen, ce n'est pas réellement un problème. Le seul problème de cette situation, c'est que, imaginez aller jouer un British Open à St Andrews sans vent, ça va se gagner à moins 25. Donc, ça risque de rendre beaucoup de parcours obsolètes. Tout à l'heure, je parlais de Royal Melbourne. Voilà, c'est dommage à ce moment-là, de ne plus pouvoir aller jouer ces tournois qui ont eu l'habitude d'être joués sur des parcours comme ça et de quelque part presque jouer un autre sport. Ce serait dommage. Guillaume, vous avez quelque chose à ajouter sur Bryson DeChambeau, sur son putting ou on passe à la suite? Je suis 100% d'accord avec Nicolas sur le. Pour moi, il y a même pas 3 points. C'est même pas 3 points d'ancrage. C'est 40 points d'ancrage. Le putter est complètement verrouillé sur l'avant-bras gauche. Donc moi, je partage tout à fait son opinion. Je l'ai dit.
J'ai fait un live sur Bryson DeChambeau et je pour moi, c'est tout à fait. Enfin, je suis pas du tout d'accord. Bon, ça, de mon avis, c'est normal, mais en tout cas, cette manière de putter de Bryson DeChambeau, je valide pas du tout. Et pour la balle, c'est un peu plus compliqué. Aujourd'hui, je pense que ce qui est très compliqué, c'est que le joueur amateur a envie de jouer la même balle que le joueur professionnel, qu'au niveau de l'industrie du matériel, c'est très important que la balle du pro puisse être jouée par le joueur amateur. Et aujourd'hui, on parle de 100 joueurs sur la planète qui tapent très très fort et de créer des règles pour 100 joueurs en particulier, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Moi, je pense que ce qu'il faudrait, c'est effectivement rallonger probablement un peu les parcours, les rendre beaucoup plus durs avec des roughs plus importants et plus étroits, même si on a vu qu'à Wing Foot, ben, ça n'a pas changé la donne. Mais peut-être de réfléchir aussi sur la préparation des parcours. Je vous dis, parce que pour moi, il y a 100, 150, allez, peut-être 200 joueurs sur la planète qui tapent très fort. Mais il faut penser aussi à tous les amateurs. Est-ce que de faire deux balles différentes aurait une influence, pas d'influence ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais... Bon. On aura l'occasion d'y revenir. Allez, ce n'est pas l'occasion de ce débat. De toute façon, il n'a pas fini d'être évoqué. Revenons à ce Masters. Donc, on a dit, on a parlé de Bryson DeChambeau. On a parlé pour une fois, on va parler de Tiger Woods pour une fois en deuxième. Tiger Woods, tenant du titre, qui avait gagné évidemment son 15e majeur l'année dernière à Augusta. Un des plus grands exploits de l'histoire du sport, du golf. Guillaume, est-ce qu'il peut rééditer son exploit, le Tigre ? Mais bien sûr. Quelle question, Arnaud, bien sûr. Même s'il n'est pas mais en pleine forme. Il joue comme un pied depuis le début de l'année, Guillaume, quand même. Ouais, mais oui. Franchement, Arnaud, quelle belle question. Oh, je suis d'accord avec Guillaume, quelle belle question. Est-ce que Tiger Woods peut gagner le Masters ? Ah, sans blague. Non, mais il joue comme un pied depuis le début de l'année. Il n'a pas fait un top 10. Non, mais. Ah, il joue comme un pied. Ah, oh, bah bon, je m'entends. En tout cas, il n'est pas au niveau qu'il avait l'année dernière. Voilà. Non, mais je m'entends pour Tiger Woods, il joue comme un pied, évidemment, qui joue fabuleusement bien. Enfin, il n'arrête pas de reculer au classement mondial. Ce n'est pas le Tiger Woods de l'année dernière. Fais attention, tu vas avoir des problèmes. Tu vas avoir des problèmes. Ça, c'est sûr. Non, mais allez-y, mais c'est pour ça que vous êtes là. Moi, je suis là pour dire des bêtises et vous pour les corriger. Il joue un peu moins bien. La première chose sur Tiger Woods, c'est la volonté qu'il a, la motivation qui est toujours décuplée quand il arrive à Augusta. On sait qu'il connaît le parcours comme sa poche, qu'il a une motivation incroyable, qu'il n'a qu'une chose en tête, c'est d'aller chercher le plus de majeurs possible. Donc, quand il est dans cet état d'esprit-là, s'il a un jeu qui va à peu près pour son niveau à lui, bien évidemment qu'il va être extrêmement dangereux, très, très, très dangereux. Donc, Nicolas, vous êtes totalement d'accord avec Guillaume ? Alors, moi, je pense que les deux majeurs sur lesquels il a le plus de chances de gagner, c'est les deux majeurs qui demandent le plus d'expérience, à savoir le British Open et le Masters. Parce que, bien et sûr. Peut-être encore plus au Masters, parce que c'est un parcours qui demande énormément d'expérience. Il faut savoir exactement où mettre la balle. Et voilà, même si Tiger Woods tape dans ses pompes, comme tu dis, je pense qu'il sait. Non, j'ai pas dit qu'il tapait dans ses pompes. Mais voilà, c'est. Et puis, n'oublions pas que voilà, n'importe quel joueur qui arrive au Masters, tout d'un coup, voilà, il y a quelque chose qui se passe. Bien sûr. On peut très bien passer à côté, évidemment. Mais voilà, il suffit parfois d'un coup de fer 7, un chip, un putt ici, et tout d'un coup, ta semaine peut changer. Et en plus encore, pour quelqu'un comme Tiger Woods. Bon ben, non, mais je suis ravi de l'entendre, hein, messieurs. Ne vous me prenez pas. Hein. Je suis ravi de l'entendre. Non, mais on a bien noté qu'il jouait comme un pied. S'il gagne dimanche soir. Non, moi, mais par rapport à Tiger Woods, en tout cas, non, mais je pense il a raté des cuts. Il n'est pas dans le coup. La dernière fois, il a fait 78. C'était son pire score. Son pire score sur ce tournoi-là. Il était avant-dernier du tournoi. Ce n'était pas Tiger Woods. Voilà. C'est ce que je veux dire. Je ne dis pas qu'il n'est pas devenu. Il n'est pas retombé comme dans sa crise de 2015 ou de 2016. Mais. En revanche, tu vas voir, hein, en fait, Arnaud va même être capable d'aller mettre 5 euros sur Tiger Woods chez Labrook en sortant de l'interview. Hein, c'est sûr. Bon, bref, en tout cas, pour confirmer un peu ce que vous disiez, en tout cas, Guillaume, il disait que son jeu était pas mal, mais qu'il n'avait jamais réussi à assembler toutes les parties de son jeu depuis le début de l'année et qu'il espérait que ça se passe cette semaine-là. Vous confirmez qu'il a fait des bonnes semaines dans tous les compartiments, vous disiez quand même, vous soulignez quand même ces problèmes, notamment au putting ces derniers temps, Guillaume. Ouais, putting et le fait de peu jouer aussi. On sait qu'il n'a pas beaucoup joué cette année.
pour des raisons probablement personnelles, mais il joue peu, donc il n'a pas vraiment le temps, même s'il a toujours joué pas beaucoup. Il a peu de tours, donc c'est aussi une problématique qu'il a eue cette année. Même son caddie, Joe Lacava, s'en est plein en disant il ne joue pas assez, donc il a du mal à être performant. Mais je vous dis, il y a Tiger Woods sur tous les tournois de l'année, il y a Tiger Woods au Masters, c'est totalement différent. Et il va être super méga dangereux. Et pour conclure sur Tiger, Nico, un dernier mot sur Tiger, super dangereux, ou vous le mettez dans vos deux, trois favoris, Tiger, Nico? Alors, je pense qu'il faut toujours mettre Tiger Woods dans les favoris à partir du moment où on parle de Masters. Comme je le disais tout à l'heure, voilà, c'est tellement exigeant comme parcours, ça demande quand même un certain niveau de driving, ça demande une certaine précision vers les greens, et plus que n'importe quel tournoi, ça demande de putter correctement. Maintenant, Tiger Woods a 3-4 points de la tête avec 9 trous à jouer, c'est toujours dangereux en tout cas. Ouais, vous n'allez pas aller boire une bière au bar avec vos copains s'il y a 9 trous à jouer, 4 derrière, vous allez rester accroché. Bon, de toute façon, qui que ce soit en tête, Guillaume, les 9 derniers trous d'Augusta, on sait très bien que ça ne sera jamais. Romain, est-ce qu'on vous entend? Oui, peut-être. Ah, magnifique, Romain. Ah. Ils se sont moqués de moi pendant que vous n'étiez pas là. Hein. J'ai eu des mots un peu délicats ou difficiles ou... Il fallait bien que quelqu'un le fasse. Hein. Ils se sont moqués de moi. J'aurais bien aimé que vous soyez là un peu pour m'aider. Tiger Woods joue comme un pied. Non, mais on regarde. En tout cas, par rapport au niveau auquel il nous avait habitué depuis 2018 et l'année dernière, cette année, et notamment sa dernière prestation, a quand même été pas terrible. Il faut quand même le reconnaître. Il était à un moment avant-dernier du tournoi. Excusez-moi, mais Tiger Woods avant-dernier d'un tournoi. S'il y avait eu un cut, il ne le passait pas. Ça n'arrive quand même pas souvent. Bon, voilà. Allez, là, c'est clos. Romain, tout à l'heure, je vous avais lancé sur Bryson DeChambeau cette interview. Alors, racontez-nous. Non, mais donc j'ai eu l'occasion de parler avec lui pendant plus d'une demi-heure, et j'avoue que j'y allais avec un a priori un petit peu négatif, parce que quand on voit sa corpulence, on se dit que on a forcément un rapport un petit peu limité. On se dit que ça va parler que de muscles et de poids et de préparation physique. Or, c'est tout sauf ça, par exemple, de Chambaud. C'est quelqu'un de très, très réfléchi, qui a réponse à tout, qui a des réponses toujours intelligentes, qui emmène l'intervieweur sur des chemins qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer. Et je dois avouer que j'ai vraiment pris du plaisir à faire cette interview, à la retranscrire. Elle est sur le site de l'équipe depuis ce soir. Elle est assez longue. Elle rentre beaucoup dans les détails de sa préparation, de sa manière de travailler, de sa manière de fonctionner. Évidemment, la puissance chez lui est un vecteur de réussite. Il en parle, ce qui est très intéressant, c'est qu'il en parle sans aucune limite et sans tabou. Il dit clairement que pour lui, le golf du futur, c'est un golf où la puissance va s'imposer, où choisir un club dans son sac, un wedge ou un fer 9 quand d'autres prennent fer 6 ou fer 7, c'est un avantage incontestable et qu'il joue sur cet avantage-là. Il n'est pas au bout de ses recherches et de son ambition de faire progresser son golf à travers la puissance, entre autres, même s'il insiste énormément, et là je rejoins ce qui a été dit depuis quelques minutes, sur son putting et la qualité de son putting, qui est aussi un des facteurs de sa réussite et de sa victoire à Wingfoot. Mais c'est vrai que tout tourne beaucoup autour de la puissance, autour du confinement qu'il a mis à profit pour développer une musculature, une vitesse de balle qui recherche en permanence de plus en plus, il recherche de plus en plus de vitesse et de longueur. Il le fait, me dit-il, et je veux bien le croire, en bonne intelligence avec un préparateur physique qui fait attention, qui ne se blesse pas dans ce cumul de muscles et de développement d'une musculature qui est de plus en plus impressionnante. Il le fait de manière, me dit-il, équilibré, c'est-à-dire qu'il estime qu'on ne peut pas se développer physiquement comme il le fait sans avoir un parfait équilibre, et c'est ce qu'il recherche dans son travail physique, afin de ne pas générer de blessures à l'avenir. Voilà, donc en fait, il fait tout ce travail-là en bonne intelligence, avec une réflexion
C'est quelqu'un qui pense à son sport, qui pense à son jeu, qui pense à son évolution en permanence. Et quand je lui ai parlé, c'était le 22 octobre, de son driver de 48 inches, il en était au stade de l'expérimentation. Et quelques semaines plus tard, à l'entraînement, pendant les parties d'entraînement, il a sorti son driver. Ça veut dire qu'il l'a mis en application, alors que moi, il me disait le 22 octobre qu'il n'était pas sûr de pouvoir l'utiliser. C'était encore un peu tôt. Et pourtant, il l'a sorti du sac. Alors, je ne sais pas s'il va le sortir ce week-end, mais il l'a sorti du sac cette semaine. Ça veut dire qu'il est en constante évolution. Et c'est ça qui est intéressant chez ce personnage-là. C'est qu'il veut faire avancer les choses et peut-être emmener le golf vers un ailleurs qu'on ne sait pas, puisque lui-même dit qu'il n'a pas de limite. Il ne voit aucune limite à la longueur de balle et il ne sait pas où ça va s'arrêter. En tout cas, je vous encourage à lire cette interview de Bryson DeChambeau. Donc, il y aura une... elle sera dans l'équipe demain et elle est déjà, donc Romain vient de vous le dire, dans sa version longue sur le site de l'équipe.fr. C'est absolument passionnant. Il dit notamment qu'il il s'entraîne en permanence. Il dit, si je ne m'entraîne pas, il y en a d'autres qui pendant ce temps-là peut-être s'entraînent et vont devenir meilleurs que moi. C'est absolument, enfin, ce bonhomme est absolument sidérant, quoi qu'on pense de son putting, ou moi aussi je pense qu'il triche et de tout le reste. En tout cas, ce bonhomme est absolument sidérant. Monsieur, on pourrait parler pendant des heures de ce Masters, on pourrait parler golf avec vous pendant des heures. On avait quand même plutôt fixé une limite à une heure. En plus, Nico est gentiment avec nous à Dubaï, alors qu'on est quand même assez avancé dans la soirée. Pour terminer, Nico, j'ai envie de dire, on a parlé des deux montres, enfin actuellement de DeChambeau et de Woods. On va quand même peut-être parler un peu des Européens. Moi, personnellement, j'ai parié sur Jon Rahm. Si un Européen devait s'imposer, vous voyez qui ou qui vous a fait forte impression ces derniers temps, ou voilà, quel Européen vous auriez envie de voir gagner, Nicolas? Moi, c'est tout simple. On a un joueur européen à qui il manque un majeur pour gagner les quatre, c'est Rory McIlroy. Voilà, je serais sidéré de voir le CV de Rory McIlroy sans Masters, parce que c'est de loin le majeur qui lui va presque le mieux de Tia Green. Voilà, on sait évidemment que son putting n'est pas son fer de lance, on va dire. Mais voilà, moi, chaque fois qu'il y a le Masters qui approche, c'est le premier nom auquel je pense. Évidemment, il y a Jon Rahm. Évidemment, il y a d'autres Européens qui pourraient accrocher un Masters. Quand on voit que Danny Willett a gagné un Masters, voilà, on peut se croire à rêver que d'autres Européens vont encore gagner le Masters. Et puis, vous avez Victor Pérez, quand même. Victor Pérez, qui joue quand même vachement bien, qui s'organise bien, qui est allé pas mal aux États-Unis cette année. Il a connu un peu un début de tournée américaine un petit peu compliqué. Mais moi, j'aime bien ce Victor Pérez. Franchement, moi, je le trouve bien. Il est cool, il joue bien. Il a un top mec sur le sac, l'ancien de McIlroy, JP. Pourquoi pas, quoi. Franchement, pourquoi pas. Pourquoi pas gagner? Ouais, pourquoi pas faire quelque chose de bien? Et puis voilà, vous savez, gagner, que ce soit gagner sur le circuit européen, gagner sur le circuit américain ou gagner un majeur, il faut que ça se mette bien. Donc évidemment, peut-être là au Masters, une première fois, il faut que ça se mette doublement bien. Mais voilà, pourquoi pas. Et puis voilà, je trouve qu'il fait vraiment beaucoup de choses très bien. Justement, on sait que vous êtes un peu notre cousin, qu'on est un peu vos cousins. Vous êtes très lié aux joueurs français. Ce Victor Pérez, vous l'avez vu arriver. Il a quelque chose en plus, quelque chose de différent de ceux qui l'ont un peu précédé. Il est un peu à part. Il est un peu dans une autre dimension. Comment vous le jugez, Nicolas? Oui, il est un peu à part pour la bonne et simple raison que quand il est arrivé, il était prêt, quoi. Il était direct prêt. Il a directement fait les choses bien. Je pense que c'est quelqu'un qui se met à une table avec une feuille blanche. Il dit, voilà, ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Je vais voir les meilleurs. Tac, tac, tac. Et je réfléchis bien à ce que je fais, quoi.
Faut savoir que l'histoire de JP, il a tout simplement, son agent a tout simplement envoyé un email. Ah, voilà, bonjour, je m'appelle Victor Pérez, pareil, vous avez pas de ça, qu'est-ce que ça vous botte? Il est allé 3-4 jours à Édimbourg avec lui et il a dit ok, c'est bon, on y va, quoi. Donc, pas peur de tenter des choses différemment, loin de là, l'idée de je ne vais pas dire de critiquer, mais voilà, la façon dont les gens gèrent leur carrière, mais lui, en tout cas, fait les choses différemment, et je trouve que pour l'instant, ça paye pas mal, quoi, ça progresse d'année en année. Romain, vous êtes toujours? Vous avez interviewé, on vous entend? Vous avez interviewé aussi Victor Pérez, c'était évidemment une interview avant le Masters, elle va paraître demain avant son premier tour. On rappelle qu'il part en dernier, hein. Il part à 14h20, je crois. Non, c'était 18h, 18h20, midi, voilà, midi 20. Midi 20, dernier départ heure française. Vous l'aviez interviewé, Victor Pérez. On est d'accord, vous êtes d'accord avec ce qu'a dit Nicolas, vraiment un joueur différent de ceux qu'on a l'habitude d'interviewer en France. En tout cas, il sait où il va, Victor, Romain. Différent, je ne sais pas s'il est différent. En tout cas, effectivement, il a un plan. Très bien établi, c'est quelqu'un qui est bien dans ses pompes de golfeur. Il est à sa place, il se sent de plus en plus à sa place à la 36e place mondiale cette semaine. Il ne se sent pas du tout dans un autre monde. Il vit ça avec beaucoup de recul, beaucoup de distance et il fait son job. Peut-être de manière un peu plus isolée que les autres Français, il est moins dans le groupe, il est moins peut-être dans le partage. Mais en tout cas, il suit son chemin, il trace sa voie. Et ce qui est intéressant dans ce qu'il me disait avant, c'était en février qu'on l'avait rencontré. Il s'apprêtait donc à disputer à l'époque son premier majeur, même s'il en a disputé maintenant avec les PGA à cause du confinement. Il me parlait de sa venue. En fait, il est venu deux fois en tant que spectateur, en 2012 et en 2013, quand il était étudiant en fac à l'Université du Nouveau-Mexique, où il a été pendant 4 ans. Et à cette occasion-là, il avait, avec ses copains de fac, ils avaient joué un tournoi dans la région, ils avaient pu obtenir des tickets, et il avait arpenté de long en large le long des fairways d'Augusta National. Donc il connaît le parcours, il est allé sur tous les trous, il avait fait beaucoup de repérages déjà en 2012-2013, alors qu'il était loin, bien loin, d'imaginer qu'il pourrait jouer le Masters en 2020, 8 ou 7 ans plus tard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a une vision qui voit beaucoup plus loin que la fin du tournoi ou la partie qu'il joue demain. C'est quelqu'un qui se projette et qui se projette vers le très haut niveau. Et je pense que ça, c'est porteur d'espoir. Après, je ne l'imagine pas une seconde se disperser. Je ne l'imagine pas parce que ce n'est pas dans sa mentalité. Je ne l'imagine pas une seconde sombrer ou tomber dans une sorte de gloriole factice. Je pense que tant qu'il n'aura pas réussi ce qu'il rêve de faire, c'est-à-dire gagner un majeur et faire partie du top niveau mondial, il ne lâchera pas l'affaire. Alors maintenant, y arrivera-t-il ou pas? Ça, on ne peut pas lire dans le marc de café. Mais je pense que il a des objectifs très élevés et il est très loin de les avoir atteints. Guillaume, un mot sur Victor Pérez. Vous le connaissez, vous l'avez vu passer? Oui, je l'ai vu. Il est venu jouer le Challenge Tour. Bien sûr, je l'ai vu au Vaudreuil il y a 2 ans maintenant. Et j'avais échangé avec lui, il était venu, il avait participé à 2 ou 3 interviews avec notre club des partenaires et il était effectivement extrêmement structuré. Pas de complexe tout en restant extrêmement humble, mais il sait où il veut aller exactement comme l'ont dit Nicolas et Romain, il sait exactement où il veut aller, mais ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est qu'il s'est structuré mais à sa manière, c'est-à-dire il s'est structuré pour lui comment il va faire pour optimiser au maximum. Il n'a pas essayé de changer son swing radicalement pour être dans un moule et dans quelque chose de joli et d'esthétique. Il reste extrêmement efficace et il reste vraiment, je me répète, mais structuré autour de ce qu'il doit faire lui pour être performant sans essayer d'inventer des choses, de réinventer des choses ou d'aller dans un moule. C'est vraiment lui, comment je dois faire pour être le meilleur. Il s'entoure de gens compétents, il sait où il doit aller, il se connaît et ça fonctionne très bien. Ensuite, pour le Masters, je ne serais pas du tout étonné. Pas du tout étonné de le voir très très bien après 2 tours, peut-être même 3 tours, et pas étonné de le voir même aller plus loin, mais bien évidemment on sait qu'être en tête à Augusta après 2 tours ou 3 tours, ben, de temps en temps on est rattrapé quand, comme Nicolas le disait, l'expérience, et j'espère me tromper bien évidemment là-dessus, mais je ne serais pas étonné de le voir dans le haut de la leaderboard, en tout cas sur les premiers tours.
Allez, pour terminer, Nicolas, cette année est très très spéciale. Comment vous la vivez golfiquement en tout cas? Comment vous êtes 75e de la Race to Dubaï? Évidemment, j'imagine que l'objectif, c'est de se qualifier pour Dubaï. Il reste 3-4 tournois pour ça. Comment vous la vivez cette année plus que particulière, évidemment, dans bien d'autres domaines que le golf, malheureusement. Mais comment vous la vivez golfiquement, Nicolas? Comment vous êtes et comment vous envisagez la suite? Ah ben c'était une année compliquée. Hein. Voilà, nous, on ne savait pas trop le nombre de tournois qu'on allait pouvoir jouer. Le circuit européen s'est quand même plutôt pas mal démerdé pour nous mettre un calendrier en place respectable. Donc, on a quand même eu pas mal de trucs à jouer. La seule différence, c'est évidemment ce système de bulles, comme ils appellent. Donc, voilà, là, pour bête exemple, on vient de Chypre où on a fait 15 jours sur place sans sortir de l'hôtel, à bouffer toujours au même endroit. Donc, voilà, c'est un peu compliqué. Mais voilà, ça passait obligatoirement par cette structuration-là pour être sûr d'avoir un circuit européen qui peut voir de l'avant. Est-ce que le calendrier de l'année prochaine ressemblera à la même chose? On ne sait pas trop encore. Mais voilà, je pense que si vous demandez à la majorité des joueurs, c'est une année qui a été émotionnellement difficile à gérer. Il y a quand même quelques joueurs qui, au bout d'une semaine, disaient non, 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 je rentre chez moi, je ne suis pas capable de faire des tournois dans cet environnement-là. Donc voilà, moi j'en ai profité pour passer un petit peu plus de temps à la maison. Là, ici, je suis à Dubaï avec ma femme et mon petit garçon. Donc voilà, je ne vais pas aller jouer en Afrique du Sud parce que je n'ai pas trop envie d'aller me mêler à ce qui peut se passer en Afrique du Sud jusqu'à la fin de l'année. Dernier tournoi à Dubaï, et essayer de me qualifier pour la race et voyons ce qu'il arrivera pour la saison prochaine. Messieurs, je vais vous demander un pronostic pour terminer, mais est-ce qu'avant, vous avez une dernière question pour Nicolas ou un dernier commentaire, Romain ou Guillaume? Non, on espère bien évidemment le revoir rapidement jouer des tournois majeurs et nous faire kiffer et vibrer comme il l'a fait en Ryder Cup, c'est tout. Oh, allez, pour. Ça me fait encore rêver, ça. Bon, je vais aller dormir direct. Bah, je ne voyais pas comment je ne pouvais pas venir à cette interview avec Nicolas Colsart sans venir avec toi. C'était pas possible. S'il y a des choses, tu ne peux pas passer à côté, quoi. Il y a un truc qui est incroyable, c'est que je n'ai toujours pas ouvert cette valise de la Ryder Cup 2012. Elle est chez mes parents, elle est en haut, je ne l'ai toujours pas ouverte. Pour que c'est vous la gardez pour vos vieux jours ou... Non, je sais pas, j'ai jamais eu le réflexe de le faire quand je vais chez mes parents. Mais par contre, ma mère m'a envoyé une photo l'autre jour. C'est le premier coup de polish qu'elle met sur la Ryder Cup à la maison. Elle m'a envoyé une photo, elle est de nouveau clinquante. Clinquante. Allez, pour terminer, Nicolas, un vainqueur de ce 84e Masters. Ouais, moi j'aimerais quand même bien Rory McIlroy pour compléter le Grand Slam et être le premier Européen de l'histoire à le faire après Annika Sörenstam. Guillaume Biojo. Bon, je vais faire rire tout le monde, mais c'est pas grave, je vais le dire quand même. Jordan Jordan Spieth. Spieth. Ouais, bien. Ben justement, alors, Guillaume, j'avais quand même prévu d'en parler, mais comme on était un peu long, allez rapidement. Comment il va Jordan? Et il peut gagner? On rappelle que vous êtes associé à son entraîneur, Mac McCormick, à travers Là, lui, on peut dire qu'il va pas. Lui, Arnaud, on peut dire qu'il va pas terrible, par contre. Bah, il joue bien Non, par séquence et moins bien par d'autres. Ouais, c'est ça. Il a deux, trois trous où ça dégoupille un peu. Donc, à ce niveau-là, c'est toujours très compliqué. Mais il a des très, très bonnes séances de jeu. Et il dit qu'il en a parfois, qu'il n'a jamais eu ces séances de jeu-là aussi bonne, mais il en a à côté qui sont absolument catastrophiques et qui font que le tournoi, en général, il finit pas aux avant-postes. Donc, si c'est une semaine qui, comme d'habitude et comme tout le monde, hein, que si tout se goupille bien, mais lui a aussi cette vraie relation, alors beaucoup plus jeune que Tiger Woods, mais avec Augusta, qui fait qu'il a toujours tendance à se transcender là-bas et ça serait bien que cette semaine, ça se passe pas mal. Romain, un pronostic? Moi, si on me laisse deux chances, je dirais deux prénoms qui sont très proches l'un de l'autre. Je dirais Dustin Johnson ou Justin Thomas. Voilà, il y a juste une lettre de différence sur les prénoms.
D'accord. Donc moi, Yann Ram, hein, je ne change pas, je sais ce que j'ai mis sur le compte Instagram du Journal du Golf. Et alors, juste vraiment pour terminer cette fois. Ah non, mais Yann Ram, pour... c'est pas possible, il a utilisé son joker là. À quoi, avec son trou ouais. en un. Il a fait ce trou en un qu'il a fait rentrer dans l'histoire. Deux trous en un. Ça y est, il est immortel. Deux trous en un. Il peut ne jamais gagner un grand chelem de sa vie. Personne n'oubliera ce qu'il a fait. Le truc a fait le tour du monde. C'est la vidéo la plus vue depuis 24 heures sur tous les réseaux sociaux. Il est dans la légende. Même les mamies qui ne connaissaient rien au golf savent qui est John Rahm aujourd'hui. Donc il n'a pas besoin de gagner. Il n'a absolument pas besoin de gagner un majeur. Enfin, je pense qu'il préfère quand même gagner, qu'il préfère quand même gagner Augusta. Et allez, pour conclure, bah, notre seul Français, un classement, Nicolas, pour Victor Pérez. Ouais, moi, je me suis dit, si Victor fait top 10, il aura vraiment fait une top semaine. Guillaume ? Top 15, ouais, top 15. Moi, je le sens vraiment bien en top 15. Bien. Romain, pour terminer ? Moi, je signe aussi pour un top 15. Bon, allez, bon, allez moi, j'ai dit suffisamment de bêtises pendant ce... Donc, je ne me mouillerai pas, mais en espérant qu'il fera bien mieux que ce que vous avez dit, messieurs. Allez, en tout cas, merci Nicolas Colsard d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes en direct de Dubaï. Merci à Guillaume Diojo, qui a l'habitude d'animer des lives sur le Facebook du Journal du Golf et qui est directeur pro au Golf du Vaudreuil. Et merci à Romain Lefebvre, même si on a eu du mal à l'avoir. Et bravo pour cette interview de Bryson DeChambeau à retrouver sur le site de l'équipe.fr. Allez, bonne semaine à tous. Sur le Facebook du Journal du Golf, je vous rappelle qu'on va faire un débrief samedi soir et dimanche soir à la fin des tours du Masters, en compagnie notamment de Grégory Avray. Allez, salut à tous, merci et à très bientôt.